ça va. C'est pas bonne. Bon. C'est qui l'a fait? C'est ta maman, je crois. Ouais. Attends, ça commence. Les infos. J'ai le news. Les infos bien de chez nous. L'heure des nuls. Avec Dominique Nul. Bonjour mesdames et messieurs, ici Dominique Nul. Tout de suite l'heure des nuls avec Aminatouz. Bonjour. Fabouin. Bonjour. Julio. Pourquoi t'as un t-shirt énervé? Bonjour. Bah je dois aller couper du bois donc on peut en mettre un t-shirt dégueulasse. On va décrypter la conférence de presse de ce matin. Je vous dis, l'attaché de presse a dit n'importe quoi. Il se trouve qu'ils étaient seulement 4 à l'intérieur de la soucoupe, et c'est donc pour ça que nous les avons tous accueillis, il n'y en a pas plus. Il s'agit d'une famille de 4, et c'est les seuls aliens dont nous avons connaissance pour l'instant. Les aliens, ils sont peut-être 4, mais ils peuvent se reproduire, et voilà. Vas-y, Aminatou, si t'as quelque chose à dire. Ouais, mais si ça veut se reproduire, ça se trouve dans très peu de temps, on va être je sais pas combien, on va être envahi. Ouais, c'est vrai, ça dépend, ils font des portées de combien? Et ils grandissent à quelle vitesse? Donc en gros, on les accueille, on sait rien, et vont peut-être créer une base arrière pour l'invasion. Franchement, on n'a pas envie que Jalocourt devienne un avant-poste de l'invasion de la Terre. Ouais, c'est clair. Ils peuvent nous réduire en esclavage ou nous voler notre planète, on peut pas laisser faire ça. On va regarder un autre extrait de cette conférence catastrophique. À quoi ressemble-t-il? Ils ont une apparence assez, inhabituelle, mais tout en étant agréable et drôle. Donc, ils ont des têtes un peu prolongées, mais je vous invite à vous en rencontre vous-même lorsque vous allez les rencontrer. Moi, je suis sûre que les aliens, ils font super peur, parce que vu comment ils les décrivent, on a l'impression qu'ils mentent. Je suis sûre que s'il bafouillait, c'était parce que les extraterrestres lui disaient que c'est son sexe par télépathie. Et du coup, s'ils peuvent contrôler les humains, ils peuvent aussi contrôler les animaux? Mais oui, ils peuvent en créer une armée et nous attaquer. Ouais, c'est clair. Merci pour ce débat. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'heure des nuls. Restez prudents et passez une bonne soirée sur Jello News. L'heure des nuls. Avec Dominique Nul. Jello News. Les infos bien de chez nous.